Le prince cherche un inspecteur pour pouvoir mener l'enquête. Voilà une tâche parfaitement à ma portée. Je vais de suite au château. Hé là, vous deux! Avez-vous vu ce qui s'est passé? Non, mais si. En quittant ma garde, j'ai juste vu le corps de notre bien-aimé roi au pied des remparts. Quant à moi, je n'ai rien vu. Je viens juste d'apprendre la terrible nouvelle. Quel drame pour le royaume. Bien. À moi de chercher des indices. Soldats, allez me chercher Ericnus, le valet, Bill, l'écuyer, ainsi que le prince. À vos ordres, monsieur Robert. Approche, Ericnus. Quoi? Tu me sembles trop faible pour porter une épée. Tu peux partir. Monseigneur, désolé de vous importuner, mais... Que faisiez-vous hier après-midi? J'étais à la chasse avec mon fauconnier, monsieur Robert. Ma sœur, la princesse, était avec moi. Soldat, allez me chercher la princesse. Où étiez-vous hier après-midi? J'étais avec mon frère à la chasse, messire. Et toi, Bill, que faisais-tu hier après-midi? Moi aussi, j'étais à la chasse avec le prince, avec le chien. Nous avons tué un beau gros sanglier. Tu es un menteur, Bill, car le prince est allé à la chasse avec le fauconnier. Je t'accuse du meurtre de notre bon roi. C'est vrai, il me faut l'avouer. Le roi m'a surpris avec une lettre d'amour pour la princesse. Il m'a dit que je ne pourrais jamais l'épouser. Alors, je l'ai poussé par-dessus le rempart. Voyant qu'il vivait encore, je lui ai planté une épée dans le dos. Jolie, emparez-vous de ce criminel. Tu vas devoir payer pour ce méfait brigand. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.